J'en étais où? Ah oui. D'accord, c'est ça. Allez. Est-ce que j'ai des billes? Non, j'ai pas de nouvelles billes. Ah, ok, déjà. Ah non, je crois que c'était. Si je lui parlais de quelque chose qui a changé. C'est incroyable. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Okay. Ouais, non, elle est pas réveillée. Il va mieux, mais elle est pas réveillée. Je crois pas avoir de nouvelles billes. Oups. Ouais, il a trouvé sa balle. Moi, je vais tout défoncer avec ma hache. Ah oui, c'est le miroir.
Évidemment. Comment va Sky Ranch? De l'eau. À chaque fois, il va falloir remettre de l'eau dans le... Je vais voir s'il y a d'autres plantes dans les autres... Si ça a changé quelque chose.
Cool. C'est tout ce qu'il fallait pour... Oh, il y a un nid là-bas. Ah, il y a des baies là. Tu as combien de ces conneries là? Du coup, je suis obligé de prendre l'autre porte dans l'hôpital pour aller de l'autre côté là. À moins qu'ils aient... Ah bah ok. Pas quelqu'un qui voulait du bambou. Qu'est-ce que vous faites sur mon île? Barrez-vous! Attends une seconde, monsieur l'ours. C'est pas un moyen, c'est pas une façon de parler à deux gentilles personnes qui viennent vous rendre visite. Attendez. Vous venez me rendre visite? Ben oui, bien sûr! On a entendu dire que ça pourrait vous faire du bien. Bah, merci. Je suis occupé. Je dois trouver quelque chose que j'ai perdu. Alors vous ferez mieux de partir. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça vous regarde pas. Ça te regarde pas, gamin. Peut-être que si vous nous le disiez, on pourrait vous aider. Vraiment, vous me le diriez? Bien sûr. Bon. Bon, bah... Je suppose que si vous voulez m'aider, ça serait gentil. Mais vous ferez mieux de parier à ce que je cherche.
On ne ferait jamais ça. D'accord. J'ai perdu une boîte à musique. Ah, d'accord, lui, c'est Tony, c'est le vieux. Si vous pourriez m'aider à la trouver, je serais très reconnaissant. Nous ferions tout ce que nous aurons possible pour la trouver. Alors, le vieux, il en a une dans sa chambre, mais il nous laisse pas la toucher. Merci. Peut-être que si on l'endort, on tape le vieux qui s'endort. À cette boîte à musique, je vous casse les mains. C'est trop dur. Aujourd'hui, c'est juste une tasse de café. Faut que je rapporte du café. Paquet de café dans le distributeur. Ah si. Comme le vieux dans Shenmue qui veut du café. Qu'est-ce que tu crois faire dans ma chambre, gamin? Casse-toi. Attends, c'est du café pour moi? Bah oui. Bon, bah ok. Merci. Hey kid. Salut gamin. C'est quoi votre métier? Mon métier, t'es sérieux? Je suis un pilote à la retraite. J'ai un commerce qui vendait des pièces d'avion. J'ai même construit mon propre avion. Quel est votre plat préféré? Je déteste tout maintenant. Il n'y a plus rien qui a bon goût maintenant. J'aimais le gâteau de crabe. Avec de vrais morceaux de crabe. Pas ce truc faux là. Est-ce que je peux aider? M'aider? Je pense que personne ne peut m'aider maintenant. Bon, tu partiras pas si je te donne pas un truc à faire. Bon alors, tu vois cette boîte à musique là-bas? T'as l'air d'un bon petit ingénieur là. On va voir si tu peux me la réparer. Ça devrait occuper le gamin assez longtemps. Voilà. C'est l'ours qui va la réparer. Ouais, on voit à chaque fois. Tu as ramené la boîte à musique? Ouais, mais il y a un problème. Elle est cassée! Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'on peut trouver comment la réparer. Est-ce que tu connais quelqu'un par ici qui pourrait réparer les choses mécaniques? Bah, il y a bien quelqu'un, mais... J'ai pas été vraiment gentil avec lui dans le passé. Je vois.
Peut-être qu'on peut lui parler pour toi. Vous feriez ça pour moi? Bah, on est venu aussi loin, je vois pas pourquoi on devrait abandonner maintenant. Ok, Blacksmith Jackie, oh d'accord. C'est celui qui m'a fait... des matériaux. Ah, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu la réparer. Bah, c'est plutôt cool, ça. Elle a l'air toute neuve et brillante. Ah, par contre, c'est toujours cassé, l'axe. Et t'as plus de matériaux. Eh ben, on peut aller en trouver. Ah, si seulement c'était aussi simple. Tu veux pas du bambou? Moi, j'ai du bambou, moi. Ah, l'axe, c'est un peu comme le cerveau de la boîte à musique. C'est une petite pièce cylindrique couverte de pins de... Oui, d'accord, c'est... Ah! Ouais, je m'en doutais. On va retourner voir... On va prendre la seconde partie de la... Oh, bah attends, je vais prendre ça, non ? Salut Red ! Aussi. Ah. Ah, il l'a oublié. Bah oui, parce qu'il est vieux. Il a oublié la musique. Ah, il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Elle habite de l'autre côté de la forêt. Ah, faut aller voir Kizaburo. Christina, on ne l'a pas rencontrée, par contre. Ouais, je comprends bien. Ah, ok. Tiens, le voilà, lui. Salut gamin! Uma Thurman! Désolé pour tout à l'heure. Je savais pas. De l'eau a coulé sur les ponts.
Ouais, dis-moi parce que là je suis pas trop où c'est que c'est les. Oui, c'est ça. Ok, le chemin. Ou alors il va falloir que. Non. D'accord, va falloir aller à l'hôpital. Mais oui, ben oui, parce qu'il y avait un docteur qui était. D'accord, bah, c'est facile. C'est facile. En fait, il m'a carrément donné la réponse. De toute façon, je serai allé voir Kizaburo, vu que il m'a parlé de Kizaburo. Il m'a un peu tenu par la main, le jeu. Faut juste que je retrouve sa chambre. Ah, il y a quelqu'un devant, évidemment. Ah! Ok. Elle, normalement, elle aime les barres chocolatées. Ah! Ah, c'est peut-être une façon de. Donc comme ça, il s'en va la nuit. Lui. Est-ce que tu pourrais te barrer? Je peux aller donner la bille à l'autre aussi. Mais je pense. Je vais aller voir si je peux racheter. Ah, peut-être que je parle à la femme de Kizaburo aussi. Ah, il y en a plus, évidemment. Tiens, Cora a changé de place. Qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà. Ouais, ça l'avait déjà dit. Oui, c'est vrai que c'est barré ça. Ah, un nouvel endroit. C'est pas là, le... Ah non, c'est pas là. Toi, il aurait pas des... Je vais donner la bille tant que je suis là.
Un beau Thaïlande. Un magasin de jouets. À quoi ça ressemble? Alors pour commencer, il y a un magasin de jouets dans le ciel. Et le seul moyen d'y aller, c'est de trouver une montagne spéciale. C'est pas pratique, il doit pas avoir beaucoup de clients. Hein. Là où la fin du l'extrémité du l'arc-en-ciel touche le sol. L'arc-en-ciel, c'est comme un escalator. Tu marches dessus et il t'emmène jusqu'au nuage. Oh, c'est super. Et après, chaque personne monte dans son propre petit train pour traverser un long pont qui mène à une grande salle pleine de jouets. Quel genre de jouets? Des PS5. Des maisons pour enfants, des oursons, des robots, des trucs de construction, de jeux de plateau, des petits pianos. Est-ce qu'ils ont des marimbas? C'est quoi un marimba? C'est un peu comme un piano et un tambour. Ah ok, c'est un xylophone. C'est peut-être les gros là où c'est que t'es debout. L'autre. Ah, c'est peut-être des rapports avec son passé, ça. Ah, elle n'a plus non plus. Oui. Mais ça, je sais. Oui, j'ai toujours besoin. Ah bah voilà. Tu m'as dit que t'en avais plus. Je réagirai pareil avec des sneakers. Oh yes! Peut-être aller lui parler avant. Salut! Non, bah... Non, ok. Il est juste content, il va pouvoir se barrer. Alors lui, il creusait dans le sol, qu'est-ce qu'il cherchait lui? Ah, ça va être un donjon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a de la boue partout? C'est qui Saburo qui a fait tout ça? A ton avis, il cherche quoi, maman? Je suis pas vraiment sûr. Mais ça doit être quelque chose de très spécial. Tu penses pas? Ah, je pense bien, ouais. Tu peux le lire, ça? Jour 24, personne comprend. Rassembler des outils, j'ai plus le temps. Je dois envoyer un message, je dois envoyer un message avant qu'il soit trop tard. Ok, il a pété une durée de Kizaburo en fait. C'est fermé. Ok. Merde, j'ai oublié le jeu de Discord, si jamais. Je me meurs sur la fenêtre du jeu. De Christina? Non. Un visiteur? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de visiteur ici.
Qu'est-ce qui vous amène de l'autre côté de la forêt? Ben, on recherche Christina. Ah, c'est une bonne amie! Elle est à l'est, vous voyez des sources chaudes. Vous descendez les escaliers, sa grotte, et vraiment tout en bas de. Oups, pardon. Trop spam. Ah, le meilleur thé, Kizaburo, il adore le thé. C'est la femme de Kizaburo. Okay, c'est peut-être pour ça qu'il creusait, il voulait peut-être planter une fleur. C'est vrai qu'il a une fleur à côté de son lit. Bah, je connais. Pas de B ici? Pas l'air. Ah oh, mais c'est trop bien ça, moi je veux un chien licorne, moi. C'était pas le nom du chien japonais qui était quand son maître était mort, était passé sa vie à côté de la ligne de métro. Il y avait une histoire comme ça au Japon. Qui attendait indéfiniment son maître qui revienne, mais il était mort son maître. Ils en ont fait un film avec Richard Gere. Je me demande si il s'appelait pas Pucci justement. Non, c'était Hachi. Ah les B. Ce qui fait que j'en ai 40. Hachiko. C'était Hachiko? Ah, j'aurais oublié le co. Ah, il y a un Zora. Ah bah c'est Kizaburo. Ils ont fait une statue du chien d'ailleurs. J'ai assez de B, mais je veux quand même en prendre d'autres. J'ai besoin de quoi Quoi? Non. Ah non, c'est Panky qui avait besoin des B. Cora, c'est ça, oh, d'accord. Ah, faut que. J'ai pas essayé de. Il y avait peut-être des roseaux que j'ai pas. Combien j'ai d'argent? Ah bah c'est Christina. Alors, il a dû s'engueuler avec sa femme ou un truc comme ça. Pourquoi, qu'est-ce que vous faites dans notre grotte? Qui êtes-vous? Excusez-moi, vous êtes Christina.
Oui, c'est mon nom. T'es un copain des petits, là? En fait, on est là de la part de Tony. Tony? Vous le connaissez pas? Non, je le connais, mais... Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il nous a demandé à réparer quelque chose. Tony a ça? Oui. Jackie, le forgeron, a réparé le plus gros. Mais il n'arrive pas à réparer l'axe à l'intérieur sans connaître la chanson que c'est censé jouer. Tony nous a dit que vous étiez la seule à vous rappeler de la chanson. Oh. Ah bah oui, mais vous êtes chiant là. Je suis désolé, mais je me rappelle pas non plus. Bon bah merci pour tes efforts, c'est la fin du jeu parce qu'on peut pas finir parce que le putain d'ours donc. Désolé, j'ai pas pu vous aider. Ok, il y a une autre porte qui s'est ouverte. Ça va être le passé de Christina et Tony. C'est un donjon. Ouais. Christy, réveille-toi. Allez, Christy, on va jouer. Oh, c'est si loin que ça. Vas-y, allume la télé. Elle est cassée. C'était Suisse. Ah non, il est peut-être c'est juste ramené de Suisse. C'est pas bien de lire dans le journal, mais c'est un jeu donc. Penny. Il ferait mieux de pas essayer de lire mon journal. Le truc de fille. Alors touche pas à ça, Christy. Bon, Penny, c'est pas Tony. C'est Christy. Tu n'arriveras jamais à croire que j'ai trouvé encore un autre passage secret dans le mur. Essaie de le trouver. Si tu n'y arrives pas, tu me demandes et je te dirai. J'étais dans ta chambre parce que Oji se cachait sous le lit. Et j'ai pas lu ton journal. On a trouvé la 5G. Ok, il y en a un qui est... Ok. Cher Christy, c'est très... C'est vachement bien comme endroit. La maison est grande avec plein de chambres, de salles à explorer. Mais il y a des portes qui sont fermées. Et la partie extérieure est vraiment grande. Il y a une rivière et même une chute d'eau. Aujourd'hui, maman a trouvé une tortue. Quand tu reviendras à l'école, il faudrait qu'on aille jouer. J'ai beaucoup de choses à te montrer, Benny. C'est qui, Benny? Date d'oiseau, ok. Ah, va falloir que je prenne... Il y a des fois, il y a des trucs à noter dans le jeu. J'ai plus de papier. Ok, il y a un truc à faire. Peut-être dans le manteau. Un ticket, d'accord. Bon, bah, ça peut être important. Non, je peux pas attendre. Enfin, que je trouve la clé, je pense. Ouais, peut-être la clé aussi de ça, mais j'ai un peu tout fouillé là.
J'ai rien dans mon inventaire. Ah oui, non, ça c'est d'accord. C'est là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah mais c'est marrant, j'utilise des items, mais... Ok. C'est bizarre. Oh, ok. Il y avait bien un passage secret. Lettre. Cher Chrissy, comment va ma petite fille? Est-ce que tu aides bien ta maman à la maison? Tu as des bonnes notes. Quand je rentrerai, je te prendrai un cadeau spécial pour être si gentille. Est-ce que Tony, c'est le père? Ok, c'est Californie. Ah, il y avait un 13. Et là, il y avait un 13. Ah merde, maintenant c'est le stylo qui marche plus. Ok, Bonnie. C'est Bonnie Tyler. D'accord. Comme une porte. Saint-Louis. Ah, c'est tout. Ok. Saint-Louis, Californie, c'est vrai que c'est pas. Ok, ça c'est fermé. Alors là, le truc m'a dit de pas revenir en arrière, mais je suis obligé de revenir en arrière. Oh, béni. Ok. C'était pas écrit tout à l'heure. Passage qui? Ça va pas être le journal, ça doit être. Benny was. Ok, à chaque fois on. Benny was 13. Ah, j'aime pas ces trucs. Bleu, jouer avec le nom Benny. Ok, c'est tout. Alors, la magie. Chambre de la... Ok. Alors, quand on a autre chose... On dirait une lettre qui n'a jamais été envoyée. Ça, il y a le timbre encore et tout. Pour Tony uniquement, ça dit. Peut-être qu'on ne devrait pas l'ouvrir. On devrait la garder et la donner à Tony la prochaine fois qu'on le verra. À propos du dessin bizarre qu'il y a avec la lettre, c'est quoi? Ouais, moi je suis pas vraiment sûr. Si je devais deviner, on dirait des plans de construction. Ah, pour le bâtiment. For building wings. Ah, pour des ailes. Non. Je crois que c'était l'aile du bâtiment, mais ça n'a rien à voir vu qu'il est pas. C'est pas lui qui construit l'hôpital. Ça a été dessiné par un petit enfant. Regarde ce qu'il écrit au dos. Si je veux le voir, il faut que j'ai des ailes. En étudiant ces plans, peut-être qu'on pourrait même construire nos propres. En utilisant des matériaux qu'il y a dans cette maison. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Get blue. Des 6 plumes. Des bâtons. Get glue, pas blue. Ok. Ça c'est quoi ça? Je me demande si je pouvais pas inspecter
ça. J'investis. Je t'ai rapporté ce tour d'une boutique de dans l'Oregon. Prends soin de lui jusqu'à ce que je revienne. Ok, papa. Non, c'est la même chose. Okay. Et là, il va y avoir un autre truc écrit. Ah, Pennywise. Oh, bah carrément, des coffres. Une plume. Et des bâtons. Je sais pas. Ouais, j'en ai qu'une. Ah, j'ai deux bâtons. Et il me faut... Ok, six plumes. Non, il... Regardez s'il dit autre chose. Et là, on va revenir dans le monde de... Ouais, je commence à comprendre le jeu. Attention, Christy. Donc, Christy, c'était sa fille, ok. Tu vois? Il y a tellement de poissons. On veut tous les manger. Bientôt, bientôt. On va être très calme et les écouter attentivement. Et quand ce sera le bon moment, tu le sauras. Mais si jamais je le sais pas, tu le sauras. Regarde, Christine. Tu vois? Où? Non, je vois pas encore. Je vois maintenant. Prépare-toi. Et rappelle-toi ce que je t'ai appris. T'as rien appris, t'as juste dit... T'as réussi. Ma petite fille a attrapé son premier poisson. Ils ont dû aller à la pêche et tout. Papa, j'ai réussi, j'ai attrapé un poisson. Je savais que tu y arriverais. Tellement fier de toi. Ok. Mais moi, je veux des plumes et des bâtons, moi. Ah, il y a plein de... Ah, si c'est... Ouais, je suppose que si la lumière est pas allumée, c'est fermé. Là-bas, c'est allumé. Et là, c'est ouvert, ça? Ok. Ça, le dedans. On s'en fout. Ouais, alors il y a de l'eau, peut-être qu'on va récupérer le truc. Chérie, je m'inquiète à propos de Christina. Son professeur est un peu aujourd'hui avec des mauvaises nouvelles là. Je crois qu'on doit en parler. Moi, en attendant, je chope des plumes. Y'a pas un truc là. Une lettre au sol adressée aux parents de Christina. Je suis de plus en plus inquiet à propos de Christina. Avant, elle faisait attention en classe et elle faisait toujours ses devoirs à l'heure. Cependant, récemment, elle a des difficultés à se concentrer pendant les leçons. Et juste au cours de la semaine dernière, elle a oublié de rendre ses devoirs trois fois. Ouais, mais si tu donnes trop de devoirs aussi, c'est bon, trois fois là dans la semaine, oh. Alors les interrupteurs bleus, rouges et jaunes, en bas,
D'accord, doivent être actionnés dans un certain ordre pour avoir accès au grenier. Alors ça tombe bien parce que je suis pas encore atterri en bas. Mais il y a tellement de salles. Oh, d'accord. Bénus a trouvé, donc on a décidé de les jeter. Nous, on n'en veut pas. C'est pas bon pour toi. Bénus Christi. Qui bénit? Ok. Qu'il est. Ouais, c'est un peu bully à l'école. Ça veut être béni. Et qui se fait rejeter, il a des difficultés à construire de bonnes relations. Ah là c'est stuck, là c'est lock, ok. Que les enfants ont fondé leur propre club. C'est pas dans les arbres, mais apparemment c'est à l'intérieur de la maison. Benny nous a donné un indice. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé une petite chambre connectée à l'un des placards. Tant qu'ils sont en sécurité, je m'en fous. Mais est-ce que tu peux jeter un oeil sur eux pendant que je tiens la boutique? Boutique, je serai pas long. Ou longue. Pas qui parlait. C'est quoi déjà ça? Alors attends, là il y a la lumière. Ah, ok. Ok, là il y a une plante. Est-ce qu'il est plein de monde? Évidemment. Je sais pas si tu verras ça. Mais je crois que tu devrais regarder ce que ta fille a écrit. C'est que c'est pas facile, on souffre tous en ce moment. Mais tu dois lui parler avant que c'est trop tard, Tony. Elle a besoin de toi. Maintenant.
Ah, ok. Je reviens ici. Rien dans le cabinet. Ok, ça s'est fermé. Comme ça être si on fout le feu on crame tout. Est-ce qu'il va encore avoir ses conneries de téléphone là? Une note là. Ah oui d'accord, les interrupteurs jaunes doivent ouvrir les. Quoi ça? Ah! Ça c'est cool, c'est trouvé. Il y avait un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, il y avait écrit 13 pas dans le placard à un moment, mais. D'accord. Dining room. Ok. Une lettre adressée aux parents de Christina. C'est triste de voir ce déclin des performances académiques de Christina. Elle était autrefois une des élèves les plus brillantes. Mais maintenant, elle a des mauvaises notes dans presque toutes les matières. Si possible, j'aimerais organiser une réunion la semaine prochaine pour qu'on puisse discuter plus en profondeur de la situation. J'ai gagné la 5G. Ouais, rien d'intéressant dans ce truc en fait. Okay, ça a dû ouvrir d'autres portes. Ouais, celle-là elle était pas ouverte, je crois. Oh. Oui, cool. Ah, c'est Bonnie! C'était pas Benny? Il est absolument parfait. D'accord, c'est le petit frère. Ah, c'est le petit frère. Il va arriver un truc au petit frère. J'arrive pas à croire à quel point il ressemble à Christina. T'es une grande sœur maintenant, Christina. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ça me rend vraiment heureuse. J'ai l'impression que j'attends depuis toujours pour un petit frère.
Ça va faire un autre gamin pour jouer avec qui jouer. Je lui apprendrai tout ce que je saurai. Je lui apprendrai les meilleurs jeux, les meilleures planques, les meilleurs endroits pour attraper des poissons. Je serai la meilleure grande sœur. J'en suis sûr, Christy. Je vais revenir parce que... Ah, on est dans une... Oui, d'accord. Ah, le rouge, là. Salut, Spiper. Attends, je reviens. Alors, le jeu, il est un peu spécial. Pour résumer là, ce gamin là, oh c'est une énigme avec les pianos là. Ce gamin il est à l'hôpital avec sa mère qui l'accompagne. Il peut pas sortir de l'hôpital, on sait pas trop ce qu'il a, mais il doit rester toujours à l'hôpital. Et sa mère lui a remis un livre qui lui a dit que c'était magique et que il serait transporté dans un monde féerique tout ça, où il pourrait obtenir un vœu d'un arbre. Il a été voir l'arbre et l'arbre lui a dit. Enfin, l'arbre ne lui a pas dit parce qu'il est endormi. Et pour réveiller l'arbre, il doit aider les gens dans l'hôpital. Et dans le monde féerique, il y a l'équivalent. En fait, les deux mondes sont connectés. L'ours qu'on a vu, c'est un patient de l'hôpital. On doit aider les patients de l'hôpital pour pouvoir réveiller l'arbre. Et on apprend l'histoire de chaque patient à travers le monde féerique. C'est un peu bizarre. On avait une première histoire où un couple, un homme coréen et une femme japonaise, leur union n'était pas acceptée par les deux parents et ça a provoqué un accident chez la femme. C'est une des patientes et on a aidé le mari par le biais de l'autre monde. Et donc on alterne entre l'hôpital et ce monde féerique où on fait des trucs qui ont un impact sur le monde réel. Cher Christy. Alors que tu étais à l'école des grands, j'ai trouvé cette salle avec plein de petits pianos. C'est cool, non? Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont tous cassé. Chaque piano n'a qu'une seule touche qui marche. C'est bizarre. Mais si tu veux vraiment jouer du piano, il y en a un. Oh, ça va être une énigme musicale, je suis très nul à ça. C'est très nul. Va falloir reconstituer la même mélodie pour activer le. Activer cet interrupteur. Classique. Donne-moi des plumes. Voilà. Oh. Ah, ça va être important. Ça va être important, ça. Il y a bien 5 notes. Non, c'est bien un tableau. Merde. Ah, ok, donc c'est bon. D'accord. Au moins ça m'aide. On va brute force, hein.
Et il est chiant ce jeu parce qu'il joue qu'au clavier. Alors, la manette passait pas dessus. Ouais, je m'en doutais. Par contre, je sens que les échecs vont avoir une importance là. Maille, ok. Et puis oui, dans le monde, il se passe des trucs bizarres aussi. Non, y a rien d'autre. Ah, je pensais que le l'interrupteur rouge, ça a dû ouvrir quelque chose. Là-bas, c'était pas ouvert. Non, celle-là n'était pas ouverte. Ok, on va apprendre de passer. Et là, il s'appelle Benny. Ok. Ok, Benny. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment devenir détective. Comment être un détective. Ouais, je vais apprendre. Première chose, nous, les ours, on a un très bon odorat. C'est notre outil le plus important. Encore plus important qu'une loupe? Eh oui, encore plus important que ça. Regarde. Je vais fermer les yeux, et je vais utiliser mon nez, et je vais trouver des champignons. Ça marche pas très bien. Des champignons. Ah, t'as même pas regardé une seule fois. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, ce que tu dois savoir, quand tu cherches des méchants, c'est de traquer, de suivre leurs empreintes. Les méchants laissent toujours des empreintes. C'est vrai. Tu vois ces empreintes? Un méchant les a faites. T'as totalement raison, Benny. Et c'est pas tout. Regarde un peu. Il y a du miel ici. Mais qui a foutu ça ici? Tu m'as attrapé! Le méchant, c'est papa! Cours! Ah, vos talents de détective sont trop forts pour moi. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Mais il va y avoir un accident, là, Benny, il va se passer un truc avec Benny, là. Ah! Ouais, du coup, il va falloir que je retourne. Cher Christy, quand est-ce que tu vas revenir d'école? J'ai tellement de choses à te dire. J'ai encore trouvé un passage secret. Mais cette fois, c'était dans l'armoire en bas. Ouais, bah c'est ça, y a... Je me doutais qu'il y avait un truc là-bas. Là où on garde les spiriteurs. Ouais, bon, c'est pas... Il y a aussi une porte fermée là-bas. Mais des gens sont arrivés, donc j'ai dû courir avant de pouvoir l'ouvrir. Je crois que j'ai trouvé la clé qui peut ouvrir cette porte. On laissera plus tard, quand tout le monde sera dormi. Ah, ok, carrément. Est-ce que je dois vraiment jouer aux échecs? J'ai envie d'aller retourner voir en bas quand même. Ah mais non, mais c'était dans cette salle là. Et ouais, là c'est fermé maintenant. Ah, attends. Ok.
Peut-être carrément faire une capture d'écran. Des échecs. Non, je n'ai pas fini, attends. Hop. Hop. Toi, j'ai fini de regarder. Ok, il va falloir que j'atteigne. D'accord. Est-ce que j'ai fait... Ouais, je pense pas que ça ouvre... Oui, d'accord, c'est son... Ouais, d'accord, ça c'est... En dessus, ça correspond aux lumières de la partie supérieure. Et quoi déjà ici? C'est ma chambre? Enfin, c'est ma chambre, non. C'est la chambre de... Ah, c'est vrai qu'il y a le journal, j'ai toujours pas... Ok. Ouais, en fait, ouais, d'accord. Et en fait, c'est juste la reine. Ah, on joue pas du tout comme ça aux échecs, hein. Ok. En fait, j'aurais même pas eu besoin de retourner parce qu'après, faut juste remettre la reine à la même place. My fault, ok. On n'a pas eu de fantôme pour l'instant. Alors attends. Ok. Je m'en doutais. Arrête. Ah, la porte du milieu s'est ouverte. Je pétais la voir encore. Souvenir. Je disais déménager, Christy. C'est vrai qu'il y avait pas mal de cartons de déménagement dans divers endroits. On déménage tout le temps et je suis toujours le nouveau. Ah, c'est lui qui se fait bully, c'est le petit frère qui se fait bully. Je sais, Benny, je me sens pareil. Je te mène à un endroit où tu te sentiras mieux, la mort. Vraiment, Christy, t'es la meilleure. Je te promets, Benny, tu vas adorer cet endroit. Oh, c'est trop bien. Comment tu l'as trouvé? C'est comme une cachette secrète. C'est une cachette secrète. Notre cachette secrète. Que tout le monde peut voir. Ce sera notre premier club de détectives officiel. Ah, c'est super. Mais il n'y a pas quelqu'un qui habite déjà ici. Non. T'en es sûr? Il s'est fait kidnapper. Et ben, les lanternes. Et le jardin. C'est les esprits de la forêt qui ont mis les lanternes ici. Et le jardin a été laissé comme ça par le président propriétaire. Fais-moi confiance, j'ai fait attention sur mon chemin de retour de l'école tous les jours. Cet endroit est abandonné. T'as raison, Christine. J'adore cet endroit. Et regarde bien. Tu vas encore sentir les champignons ? Il y a même une petite grotte qui mène jusqu'au chemin principal. Donc s'il y a des méchants qui nous attrapent,
pendant qu'on fait notre travail de détective. On peut se barrer en vitesse. On a finalement notre propre endroit où personne ne peut nous trouver. Merci Christy, t'es la meilleure grande sœur jamais, de toujours. Allez Benny, tu vas voir à quoi ressemble la grotte. Eh bah ouais. Ça va mal finir. J'en ai combien de ces conneries là? J'ai 6 sticks. Ah, il me faut encore 2 bâtons. Il me faut 2 bâtons et de la glu. Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé, n'empêche. Ouais, il y a des sauvegardes automatiques juste avant, ça va. Un réveil. Béni, mon garçon. Ma mère m'a dit que tes oursons sont tes préférés. Donc j'ai pris ça pour ton anniversaire. Comment vas-tu l'appeler? Mignon garçon, j'ai un atterri au Texas. Et j'ai trouvé cette carte... Ah mais c'est vrai qu'il est aviateur, ouais d'accord, il est souvent en déplacement, il était aviateur Tony. J'ai trouvé cette carte postale dans une boutique cadeau. Fait chaud ici. Prends soin de ta mère, sois gentil avec ta sœur. Si t'es gentil, je te rapporterai un cadeau de mon voyage. Là, je suis plus... Ok, on a trouvé la 5G. Pas grand chose d'intéressant ici. Aujourd'hui, Christy et moi, on a trouvé quelque chose de vraiment super dans le passage secret dans le placard. Il y a encore une autre porte secrète dans le mur. Ça mène vers une toute petite chambre. C'est tellement secret qu'on peut pas voir la porte du tout. Voilà. Ah, d'accord. Vous devez marcher exactement 13 pas dans le passage à partir de l'armoire. Et ensuite, d'accord. Il y avait une histoire avec le grenier aussi, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de... Oups. Allez, notre on a go. Je vais pas tester toutes les combinaisons parce que... Si je me souviens bien, ils m'ont dit qu'il fallait que j'active les interrupteurs d'un certain ordre et ça ouvrira le passage du grenier. Ah bah ok. Oh. Bon, on dirait un cul-de-sac, tu sais. Ah d'accord, faut d'abord, d'accord. Ouais, bah, va voir que je trouve le passage secret dans le placard. Ah non, ok. Ok, j'avais pas fait ça. 5. Ok, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Je suis la pire sœur. Oh. Ah, j'écoute le...
J'ai même pas cru aux chiffres, c'était vraiment les chiffres indiqués. Il y a les lettres sur le sol. Cher Benny, je pense qu'on est les seuls au monde qui connaissent cet endroit. C'est vraiment super. J'ai apporté des bonbons. Bon, quand on a faim... Ah, la colle. Elle est où la colle? Ok, je vois la colle. Il me manque quoi? Il me manque des bâtons. Il me manque des bâtons. Oh, ça va être important ça. Ah, Johnny, Dr. Killer, historien, Roger, Alex, le dentiste. Ok, il prend les bonbons. J'ai dû oublier un coffre, quoi. Je suis pas allé à l'autre bout du... Ah, il y a d'autres salles ici. Ah, ça mène ici. Ah, d'accord. C'est vrai que j'avais pas utilisé cette clé. Ça va être le dernier bâton, ça. Une lettre adressée aux parents de Christina. Christina n'a pas été à l'école aujourd'hui. Ses camarades disent qu'ils l'ont vue assise au parc pendant leur promenade dans la classe. Étant donné ses mauvaises notes, son incapacité à se concentrer en classe et son isolation sociale, je recommande qu'elle rende visite à un spécialiste. Veuillez me prendre contact avec moi pour qu'on puisse organiser une rencontre. C'est pour le mieux. Et nous avons les sticks. Du coup, je pense que je peux retourner en haut, là. Il me semble que j'ai tout. Hein. Six plumes. Sur les sticks, huit sticks. Je vais regarder, peut-être un truc. Six plumes, huit sticks, là. Non, bah c'est tout. Fly to Daddy, ok. Là, il est... Est-ce qu'il a, il a vraiment essayé de se faire des ailes et il est mort ou il a eu un accident? Ah ok. J'ai trop faim. Ça m'a ouvert l'appétit de faire la randonnée toute l'après-midi. Allez les enfants, on creuse. Enfin, faites-vous plaisir. Je suis pas faim. Comment c'est possible? J'ai pris un gros petit déjeuner. Il va pas arrêter de prendre des snacks. Mais Christy! Désolé, je veux dire, tous les deux. Ah, tout va bien, on est en vacances. Vous pouvez aller jouer tous les deux. Super! Si vous avez de la chance, votre mère et moi, on vous gardera un peu à manger. Oh, il y a un puits! Ah, il y a un puits! Bigny attend. Il n'y a pas une histoire de puits à un moment? Christy. Oui, papa? Ah, voilà, et à cause de ça, il va arriver quelque chose, elle va se sentir responsable. Une bonne fille, et tu surveilles bien ton frère, ok? Oui. C'est ma fille. Ok, là je suis Christy. Et je vais le pousser à l'eau. Benny! Et il y a la chute d'eau. Qu'est-ce que tu fous? Reviens ici avant que de te faire mal. Tout va bien, Christy. Regarde! Mais qui est con? C'est vraiment solide. Allez, Benny, arrête de plaisanter. Je suis censé te surveiller et... Et je vois que tu te fasses du mal. Tout va bien, Christy, tu t'inquiètes trop. Benny, s'il te plaît.
Bon, d'accord, désolé. Je descends. Merci. Oh, Christy, à l'aide! Il dit ça avec un sacré sourire. Benny! Désolé, papa. Sûrement un accident à la con, hein. Et la boîte à musique là-dedans. Papa? Papa, c'est l'heure de dîner. Papa? Tout est incrédulité. Ton père est juste très fatigué à cause du travail. Pourquoi tu reviens pas et tu finirais pas ton dîner? D'accord. T'es là, papa? Je t'ai cherché partout. Papa? Je pense que tu devrais rentrer, Christina. Mais... Je suis venu pour t'aider à faire des poissons pour le dîner. Comme on fait toujours. C'est juste que tu dis toujours. Bon, d'accord. Je rentre. Maman. C'est Bonnie maintenant? Oh là là. Il se mélange les pinceaux. Ah non, Bonnie c'est la maman, d'accord. Est-ce que papa me déteste? Bah, Bonnie, Benny, Oh mon cœur. Bien sûr que non. Ton père ne montre juste pas ses... Je trouve qu'il montre pas mal ses émotions, moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous. Les sentiments, les pensées complexes. Mais il y a aussi beaucoup d'amour pour toi. Ça y ressemble pas. Avant, il était différent. Je sais. Mais tu vas en croire quand je te dis qu'il t'aime beaucoup. Je vais essayer. Bonne nuit, Christy. Bonne nuit, maman. Ouais, mais la boîte à musique là-dedans. On vole. Eh ben, on dirait qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ses ailes au travail. Oui, ok. Ils nous font un radeau comme la Colotta. Wow, c'est super. Tu penses que ça va marcher? Ah, mon l'air assez solide. Je pense que tout ira bien. C'est pas une très bonne mère quand même. On vole. Et ça, c'est Tony. Tony? Salut garçon, comment tu m'as trouvé? Tony, ça va? Non. Rien ne va. Vas-y, donne-lui la lettre. Ah oui, la lettre! N'aie pas peur. Tiens, regarde la lettre. Tony, on a trouvé cette lettre. On n'a pas ouvert le journal de Christy, de Christina. C'est pour toi. C'est de la part de Christy. Cher papa, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça me manque quand tu avais l'habitude de me prendre dans ton avion. Tu m'apprenais des trucs, et le plus important, tu me manques. Je sais que tu prends plus de voyages d'affaires pour t'éloigner de moi. Je sais que tu me détestes parce que j'ai pas pu protéger Benny. Mais je t'aimerais toujours. Je suis désolé de ne pas avoir pu être la fille que tu aurais voulu avoir, Christy. Mais non, Christy, t'es complètement conne. Je ne déteste pas.
Je t'aime tellement, de tout mon cœur. Tu comprends pas. Ce qui est arrivé à Benny, c'était de ma faute, pas de la tienne. Je vis toutes les journées de ma vie avec sentiment de culpabilité. Et en te regardant, tu y ressembles tellement. Je suis pas parti parce que je voulais m'éloigner de toi. Je suis parti parce que je savais pas comment gérer ce qui est arrivé. Je sais que c'est égoïste et je suis désolé. Non mais elle est pas là, Christy, en fait. C'est pas à nous qu'il faut le dire. Mais de savoir que tu te sens de cette façon, je peux pas te supporter, Christy. Je t'aime tellement. Je veux seulement le meilleur pour toi. Tu seras toujours ma petite fille. Et là... Attends, il y a un coffre. Attends, il y a un coffre. Ah, évidemment. On en parlait. Oups, non, je me suis trompé de fenêtre. Et là, on va apprendre celle qui a saboté le pont. Il y a une note à Christy de la part de papa. Je suis désolé d'être parti encore, Christy. Mais pour t'aider à comprendre à quel point je t'aime, je veux que tu aies ça. Quand ta mère te pardonnera ce soir, promets-moi de l'écouter. Salut Dolce. Et que tu te rappelleras que c'est la chanson que je sentais toujours quand tu allais au lit. Même si je m'éloigne pour le travail, tu devrais savoir que peu importe à quel point tu grandis, tu seras toujours ma petite fille. Et on a terminé l'histoire de Tony. Je pense. Papa, j'arrive pas à dormir. Ça fait plus d'une heure que tu devrais être au lit. Comment tu peux pas avoir sommeil? Ta mère t'a encore laissé du miel? Plus de miel? Eh ouais! Ah, la chanson pour l'arbre. Donc je pense qu'il va falloir que je chante une chanson. Tes chansons sont les plus dingues. Qu'est-ce que tu fais? Je m'échauffe la voix. C'est pas une chanson, ça. D'ailleurs, papa, t'es le plus drôle. Brush your teeth and you get good grades, I will be so proud. Maybe I'll even shout out loud or do a funny dance. Even though I go far away, je suis sûr que ce jeu Linky l'aurait bien aimé. Should always know that il était très long au début, mais my little girl. Bonne nuit, Christine. On est à la seconde partie de la chanson. Il nous en reste 3. Il est long le jeu en fait. Où sont partis tous les ours? Je suis pas sûr.
Mais maintenant qu'on sait, qu'on connaît la chanson de Tony, on peut aller rendre visite à Jackie Forgeron pour réparer la boîte à musique. On devrait y aller en courant. Et pourquoi donc? Pour pas qu'on oublie la chanson avant d'y être. T'as bien raison, allons-y. Ah oui, carrément, oui. On connaît la chanson. Ma boîte à musique! L'ours Tony dans ma hutte! T'inquiète pas, il va pas te faire de mal. Petit Libel. C'est toi qui vas réparer ma boîte à musique? Cette boîte à musique appartient à Tony? Oui, je suis désolé, on ne te l'a pas dit. C'est juste. Il avait vraiment l'air d'avoir besoin d'aide. Mais on savait pas comment demander. Donc le petit label l'a réparé. Et si je dis oui, tu me manges? J'arrive pas à y croire. Je sais même pas ce que ça représente pour moi. Je peux pas te remercier assez. Je suis vraiment désolé d'avoir détruit ton jardin. Enfin, vos jardins. Je vous ai bien des bien plus gentilles créatures que je pensais. Je pense que j'étais un gros con. À partir de maintenant, non seulement je ferai plus de mal au village, et je le protégerai. Je vous dois tellement, c'est le moins que je puisse. C'est un peu nous, hein? C'est le moins qu'on puisse faire pour montrer ma gratitude. Ouais, ok, il est complètement dingue ce. Merci, Tony Bear. Et merci à vous, mes nouveaux petits amis. Mais c'est nous! Maman, regarde! Encore une autre porte! Devrions-nous le voir, à ton avis? Ah bah, j'ai même pas le choix en fait. Ah, la porte. Salut Tony! Qui va là? J'ai pensé avoir dit c'est une fermure stupide là, de me laisser tranquille. Eh bah, c'est Christina! Je l'ai reconnue! Christy? Salut papa. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi papa. Et voilà. On a encore arrangé les affaires avec quelqu'un. Eh bien, Yami qui vient nous rendre visite. C'est toujours pas qui c'est Yami. Finalement non. Si. Maman? Mais non, c'est Yami. Tu devrais avoir l'habitude maintenant. Ah si, c'est Yami. Tu dors encore? Yami, c'est toi? Tu devrais avoir l'habitude maintenant. C'est exactement ce que je lui ai dit, Yami. Hé. C'est les portes blanches sont magiques. Ça nous fait aller d'un monde à l'autre. Alors j'ai l'impression que tu commences à devenir un héros par ici. Tu aides tes voisins, tu sauves des petites créatures roses là, des ours. Attends, tu connais les Deep Bells? Bah bien sûr. Ouais, les deux existent. Les deux existent. Les deux sont liés parce que Tony l'ours, c'était le Tony de ce monde-là, il partage une histoire. On a appris son histoire par le biais de l'autre monde. Ce Tony-là aussi, il a perdu son fils à cause de, enfin à cause de Christina, non. Mais tu penses que t'es tellement spécial? Tu penses que t'es le seul ours à aller dans la forêt? Le seul ours, le seul enfant à aller dans la forêt? Alors c'est apparemment on peut y aller que par le biais du livre, hein, mais je me demande si à la fin on va pas apprendre que tout ceci n'était qu'un rêve. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que.
Avant, quand tu disais que enfin, tu comprenais pas pourquoi le livre était si important pour moi, je pensais que tu avais juste pas lu l'histoire avant. Je suis désolé, Yami, c'est juste que. Eh, mais je plaisantais! Mais je sais que c'est de méchant, Yami. Tout va bien! T'as pas à t'expliquer! Mais attends. Alors ça veut dire que tu connais Morizora. Enfin, tu sais ce que c'est, quoi. Mais bien sûr! C'est super, mamie! Yami. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est à cause de Yami, je suis sûr qu'il dort Morizora. J'y arrivais même pas à y croire moi-même la première fois que je l'ai vu. C'est tellement merveilleux là-bas, les créatures sont réelles. Et ils veulent me parler et m'aider. Et je veux les aider aussi. Eh oui, tout le monde t'aime quand ils ont besoin de toi pour quelque chose. Attends, quoi? Non, je dis juste ça. C'est la nature humaine, tu sais. T'as pas à te sentir mal pour ça. C'est juste que c'est comme ça. Est-ce que tu vas faire un souhait de Morizora? Oui, parce que Morizora, il peut réaliser un vœu. J'en suis toujours pas remis non plus de la fin de Life is Strange 1. Je sais pas. J'ai pas fait le 3 d'ailleurs. Le 2, il était pas mal critiqué, mais j'ai bien aimé le 2, même s'il est vraiment beaucoup moins prenant que le 1. Mais je pense qu'on avait tellement mal présenté, enfin, il avait tellement de mauvaise réputation que je m'en suis contenté. Je trouvais pas si mal que ça, le 2. Et le 3 a l'air bien. La fois que je l'ai vu, il dormait. Et même si il se réveillait, je pense pas qu'il m'accorderait un vœu. Pourquoi tu penses ça? Les souhaits, c'est pour les gentils garçons, enfin les gentils enfants. Les enfants qui méritent des gens, les enfants qui sont forts. Je suis trop faible et trop malade. Comment je pourrais aider quelqu'un? Oh, Yami. Alors, ouais, attends, je vais me faire attraper ici. Je vais me faire virer si les infirmières m'aident encore. Ouais, je l'ai pas fait en stream, le 2. Le 2, je l'avais fait hors stream, ouais. Yami? Faut dire que j'avais joué à une période où j'avais pas très envie de streamer. Tu m'as aidé. Hein, pourquoi? Parce que je m'introduis dans la chambre chaque nuit. Et que tu me confonds avec ta mère? Ouais, c'est bizarre comme phrase. Mais non! Bon, peut-être. Mais à quoi tu penses? Tu me tiens compagnie. Et tu comprends. Les nuits, c'est là où je me sens le plus seul, tu sais. Mais quand t'es là. Ah, peut-être que Yami, il est dans sa tête. C'est pas si mal. Ouais, bah, merci d'avoir mentionné ça. Je le pense vraiment. Surtout que ouais, je l'avais fait sans son le let's play de Life is Strange 1. Il n'y avait que le jeu. Salut maman. Salut mon cœur, t'as bien dormi? Ouais. Je me sens en pleine forme. C'est ce que j'aime entendre. Est-ce qu'on va en apprendre plus sur sa maladie à lui? Alors on dirait qu'on est prêt. Allez, je vais prendre des tests au labo et... Je crois que je l'ai vu la fin. Comment il s'appelle? Tell me why? Ah, c'est vrai que j'en avais fait pas mal de jeux narratifs sans le son. J'ai arrêté de le faire quand j'ai déménagé. Chantilly, je suis vraiment désolé d'interrompre, mais on aurait comme un problème. Je sais plus si je crois que c'est Tell Me Why, mais il y avait un autre jeu narratif que je confondais pas mal, Tell Me Why aussi. Pas d'inquiétude, Kenji. De quoi t'as besoin? Eh bah, j'ai pas envie de... Enfin, je déteste d'avoir à le dire, mais... Kisaboro s'est encore barré. Ah oui, parce qu'on a ouvert une porte. Désolé. Quoi? Il a cassé les nouvelles planches qu'on a mis et
Il a trouvé l'espace derrière sa chambre. Et je suis sûr qu'il est dehors. Parce qu'il était dehors, parce qu'il y a encore plus de boîtes et encore plus de boue. Pourquoi? Mais j'ai pas le temps maintenant pour ça. Je pense qu'on doit réévaluer la médication de Kizaburo. Ça me plairait d'y aller à l'Alaska pour. Juste pour voir. Malheureusement. Vas-y, je pense que tu as raison. Désolé, mec, mais je dois y aller. Vous êtes libre de vous promener comme vous voulez. J'avais vu. Pas un documentaire, mais. C'était mes parents qui regardaient ça, les émissions qui passent sur la TNT où tu suis des flics. Et ils ont l'air sympas, les flics en Alaska. J'espère que tout va bien. Après, bon, c'était l'émission qui était tournée comme ça. Hein. Je suis sûr que tout ira bien. J'ai commencé. Y a pas beaucoup de flics sympas, donc. Encore une autre journée à l'hôpital. Ok, Kenji. On va se voir dans la chambre de Kizaburo. Qu'est-ce que t'en penses, son doigt? Est-ce qu'il n'imaginerait pas sa mère aussi? Parce qu'il se sent seul dans l'hôpital. On devrait aller voir. Est-ce que sa mère a parlé au docteur? Là, j'ai pas vu. Est-ce qu'on va voir ce qui se passe chez Kizaburo? Ouais, on y va. Kizaburo, c'est là. Je pense qu'une plus grosse dose l'aidera avec ses hallucinations récentes. Tu peux te reposer encore plus et tu te sentiras mieux. C'est pas des hallucinations. Kizaburo, tu peux pas. Tu dois t'arrêter d'aller dehors. Et pourquoi pas? Je suis adulte. Si je veux partir, bah je me barre. C'est pas safe dehors. Et tu détruis les propriétés de l'hôpital, les biens de l'hôpital. Je dois réparer le train, c'est mon boulot. Ah, il est déjà 20h. Vous pouvez continuer à prendre mes outils. J'ai plus le temps. Je dois lui dire quelque chose. Je dois lui dire. Il y a sa... À qui? Il y a sa femme dehors. Genji, va vous observer un petit peu de temps. Soyez bien assuré qu'on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. On était super bien planqués, ils nous ont pas vus. Salut! Oh, hey Kid! Voilà, j'ai l'impression que t'es le seul à m'écouter ces derniers temps. Tout le monde pense que je suis dingue. T'as besoin de quelque chose? Ok, il va falloir l'aider comme ça, lui. C'est vrai que oui, l'Alaska, ça doit être pas mal concerné par le réchauffement climatique, voilà. Ouais, je me demande si ça commence pas, si ça va pas, ils vont pas avoir de grosses inondations aussi chez eux là. Si ça va pas déjà commencé. Parfois, quand le corps d'un patient ne va pas bien, ça peut affecter son esprit. C'est jamais facile de gérer ce genre de choses. Bon, je pense que je vais. Arrêtez là, on a fait un arc. On vient de finir un arc. Oh, salut, comment ça va aujourd'hui? Notre anniversaire arrive. J'ai apporté quelque chose de...
à qui Zabario pour le pour leur monter le moral. Mais apparemment, faut bien attendre le moment opportun. Je suis sûr qu'il est fatigué de tous les tests. Je lui donnerai un autre jour. Okay. Bon, je vais sauvegarder. Mais ça fait 6 heures que je joue à ce jeu. Je vais arrêter là parce que faut que je me prépare à manger. Ça risque d'être assez long. Et ouais, non, j'ai pas de. Je vais essayer de le finir cette semaine, ce jeu. Mais il me reste 3 arcs. Ça fait à peu près 2 heures par arc. Donc ouais, on est. Ah, jeudi, vendredi. Ouais, c'est peut-être pendant le week-end. Bref. Bon appétit si vous avez mangé, ou puis bah, bonne soirée, et puis à plus tard.